Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de deux produits que j'ai reçus de la part de Diamond Art Gift. Donc, merci beaucoup Diamond Art Gift de m'avoir envoyé ces produits. J'ai vraiment hâte de les découvrir. On a un système de rangement de diamants. Je vais en parler dans... Ben, on va commencer par ça, je pense. Et ensuite, on va regarder une couronne dans le thème printanier. C'est ça. Comme ça sera de saison. Donc, on va commencer par ça. Alors, la petite histoire au niveau de ce système de rangement. Je crois que ça fait plusieurs fois que je vous le mentionne en vidéo. Je suis une chaîne YouTube américaine. La femme s'appelle Joanne. Et d'ailleurs, le nom de sa chaîne, c'est Joanne Diamond Paints, je pense. Elle a présenté ce système dans une de ses vidéos. Et elle a mis le lien, en fait, en barre d'infos. Quand j'ai cliqué sur le lien, en fait, qui m'a emmené vers AliExpress, je me suis rendu compte qu'en fait, la compagnie ne livrait pas au Canada. Ben, au Canada, à mon adresse. Et je me suis dit, ah mince, parce que ce système, il avait l'air vraiment, vraiment cool. J'étais un petit peu déçue, mais je me suis dit, ah, la prochaine fois qu'il y a un de ces sites qui me propose un partenariat, je pourrais regarder sur le site et voir si, ben, s'il le propose, en fait. Et oui, Diamond Art Gift propose le même produit que Joanne a montré en vidéo. Moi, vous savez que si je reprends des idées, si je trouve des idées sur des autres chaînes, j'essaie de mentionner les chaînes, en fait, et de les remercier. Je pense pas que Joanne parle le français. Je vais quand même la taguer dans la barre d'infos si vous souhaitez aller voir le contenu qu'elle propose. Mais il est vraiment cool, sympa et c'est vraiment unique. Elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Heaven and Earth Designs. Donc, en fait, ce sont des patrons de points de croix qu'elle convertit en DP. Donc, si vous voulez vraiment une chaîne différente avec du contenu différent, mais anglophone, je vous encourage à aller voir sa chaîne. Elle est très bien. Moi, je l'aime beaucoup. Je ne regarde pas toutes ses vidéos, mais j'en regarde certaines. Et c'est ça. Je crois que d'ailleurs, c'est dans une de ses vidéos de HAED, la Heaven and Earth Designs, qu'elle présentait ça. Et je me suis dit, ouh, il a l'air bien ce système. Donc c'est ça, je tenais à préciser quand même d'où j'avais vu en fait ce système, que c'est pas moi qui l'ai trouvé par hasard sur AliExpress, mais c'est elle. Donc merci Joanne, si jamais tu comprends le français, et bon, elle va voir que je l'ai tagué, mais c'est ça. Donc juste pour rappel, hein, les deux produits que j'ai reçus, je les ai reçus dans un sac plastique. J'ai pas l'impression que c'est cassé ça, mais on va le regarder ensemble. Donc c'est emballé autour de plastique, c'était vraiment comme ça, il n'y avait pas de papier bulle ou quoi autour. Donc ouais, il y a juste du plastique, c'est pour ça que je dis j'espère que c'est pas abîmé. Et waouh, ça a l'air de bonne qualité. Le plastique a l'air très épais. Ouais, il a l'air très épais. Donc déjà, en regardant comme ça, la boîte a l'air bien et pas endommagée. Donc ça, c'est cool. Avant de l'ouvrir, on va la mesurer. Comme ça, vous, ça va vous donner une idée. Alors, c'est à peu près du 29,5 cm par 19,5. Voilà, comme ça, ça vous donne une idée en termes de taille, tout dépendamment de la surface que vous avez à côté de vous, où vous pouvez mettre vos diamants. Donc bon, c'est pas petit, c'est pas grand, c'est une belle taille, je trouve, qui est bien. Et j'ai oublié de vous parler du prix, mais c'est que je ne l'ai pas devant mes yeux, donc je vous l'inclurai ici, en haut de l'écran. Je vous mettrai le prix en euros. Et en dollars canadiens pour les gens qui sont au Canada. Donc, la manière dont ça se présente, c'est qu'on a ça, là. Ça, bon, je pense pas que ça soit bien utile, mais bon. Et on a un couvercle. Donc, comment est-ce qu'on ouvre ça? Voilà, comme ça. Là. Et c'est cool, hein. C'est vraiment bien fait. Regardez, là, c'est comme... Vous voyez? Ça rentre un peu. C'est un petit peu renfoncé. Et on ouvre le système comme ça. Alors, je pense, d'après ce que j'ai vu sur sa vidéo, que les boîtes sont toutes de la même taille. Excusez-moi. Il fallait que j'avale. Alors, et les tailles, regardez comme elles sont belles, la taille des boîtes. Franchement, ce n'est pas des petites boîtes. Ce sont des boîtes de bonne taille. Donc, eux, ils ont fait deux rangées comme ça, vous voyez. Et ensuite, ils ont mis les boîtes de côté. Pas que ça me dérange, mais il me semble que Joanne, elle est arrivée à les faire passer tous dans le même sens. Donc je me demande si elle, en fait, je vais vous donner la dimension des boîtes, hein, après. Mais moi, ouais, je me demande si elle, elle les a pas faites toutes passer comme ça, en fait. Vous voyez, parce que comme ça, on peut pas.
Vous voyez? Celles qui sont comme ça, dans ce sens-là. Je ne sais même pas si on le voit bien à la caméra. Attendez, je vais enlever ça. Déjà, pour donner plus de place. Je regarde la partie basse là, mais ouais, vous voyez comme les boîtes là en ce moment, donc on les ouvre comme ça déjà. C'est le bordel la table. Déjà, on les ouvre comme ça. Voilà. Et elles sont pas petites, elles sont de bonne taille. Je vais vous donner les dimensions. J'ai l'impression qu'elles sont carrées. 4 et demi par à peu près 4 et demi. Et au niveau de la hauteur, on est à peu près à du 2 cm. Donc c'est ça que je vous dis, 4,5 par 4,5 par 2 cm de hauteur. Franchement, c'est une belle taille. Et vous voyez, là, ils les ont mises donc du coup comme ça. Donc vous pouvez mettre vos symboles ici, à l'avant de la boîte, là où vous les ouvrez en fait. Mais je remarque qu'on ne peut pas mettre 4 boîtes dans ce sens-là. Donc je pense que dans la vidéo, parce qu'il me semble que dans sa vidéo, elles étaient toutes dans le même sens. Je pense. Regardez ça, ils ont même donné des étiquettes. Donc ça, c'est cool. Moi, j'aime avoir des étiquettes. Je pense en fait qu'ils les ont mises. Qu'ils les ont mis dans ce sens-là. Je crois que ça. Je fais des tests avec vous là. Hein, parce que moi, je ne le connais pas ce système. Et j'ai vraiment hâte de l'essayer. Je pense pas que j'utiliserai ça pour un DP de télé. Pour le DP de télé, j'aime beaucoup. Le système de valisette. Mais en revanche, pour un DP projet principal, oui. Ah, c'est rigolo, ça. Ah oui, ça passe là. Mais le problème, c'est qu'on a ça là. Vous voyez, cette partie-là qui remonte un petit peu. Donc bon, on peut les mettre comme ça, mais ouais, il y a une partie qui remonte du coup. Je ne sais pas si je vais arriver à toutes les mettre. On va faire un petit test. Tout à l'heure, je les remettrai dans l'ordre et dans le bon sens, parce que là, elles sont pas dans le bon sens. Ah, je ne sais pas comment Joanne, elle les a mises, ces boîtes. Peut-être qu'elle les a pas toutes utilisées aussi, hein. C'est probable ça. Et non, parce que vous voyez. Ah, quoique. Ça passe, mais de justesse, hein. Et je pense pas que je vais arriver à toutes les mettre. Bon, attendez. C'est comme un puzzle, là. Voilà, on pourrait les mettre toutes dans le même sens en fait. Vous voyez, toutes sur le côté, mais après il y en a 4 qui ne rentrent pas. Donc ouais, on pourrait les mettre comme ça. Bon, moi je les ai mis n'importe comment. Il y en a qui sont à l'endroit, il y en a qui sont à l'envers. Mais peut-être que c'est comme ça qu'elle les a mises. Mais comme j'ai dit, peut-être qu'elle les a pas toutes utilisées en fait. C'est possible ça. Parce que si vous les mettez dans ce sens, vous avez vu, vous avez 2 bandes et ensuite il faut que vous les mettiez sur le côté. Donc combien de boîtes on a au total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oh. Attendez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. 52 boîtes. On a 52 boîtes dans ce système. Donc bon, c'est bien pour les DP qui ont un grand nombre de couleurs. 52 boîtes, c'est pas. Ben, je veux dire, c'est bien, quoi. Donc ouais, j'ai vraiment hâte. Je vais l'utiliser. Je ne sais pas pour quel projet, mais peut-être que je devrais écrire avec un marqueur 50, fois 52 pour m'indiquer qu'il y a 52 boîtes parce que je sens que je vais l'oublier. Mais ouais, moi je trouve ça pas mal. Et ensuite, ben, vous pouvez, comme vous l'avez vu tout à l'heure, si par exemple vous partez pour le week-end ou quoi, quelque part, et que vous voulez emmener votre DP avec vos diamants, ben voilà, vous fermez ça. Et tout est là. J'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Comme j'ai dit, le plastique, il est très épais. C'est bien fini, c'est bien pensé. Ça fait pas de chip en fait. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment, vraiment hâte de le découvrir
avec vous en vidéo en fait. Donc on fera une organisation de diamants cette année. Là, je ne sais pas quand, mais à un moment donné, on va essayer ce système et je vous dirai ce que j'en pense. Mais comme je vous ai dit, Joanne, elle les a mises comme ça, ces boîtes, il me semble, dans ce sens-là. Et elle a mis ses petites étiquettes autocollantes ici ou au milieu. Comme ça, ben voilà. Parce que là, ben comme ça ne serait pas pratique, ça prendrait bien trop de place. Donc voilà pour le premier produit que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et le deuxième, c'est une couronne. Donc elle se présente dans ce packaging. Je vais vous mettre le prix à l'écran maintenant. Quoique non, attendez, je l'ai là. C'est 8,99 $. Tout à l'heure, je vous ai dit le prix en dollars canadiens et en euros. Mais je me rappelle maintenant que sur le site, les prix sont seulement en US. Moi, j'arrive pas à les changer. Donc ça, c'est 8,99 $ US. C'est serré. J'espère que c'est pas endommagé. Là, on a les diamants. Ça sent bizarre. Il y a une odeur bizarre. Donc, on a une croquette et la couronne. J'ai pensé que je pourrais la faire bientôt d'ailleurs. Oh, elle est magnifique. Elle est trop belle. On va la regarder en détail dans une petite minute. Donc on a un toolkit qui est un toolkit de base avec un plateau vert, un stylet en bout simple et un petit morceau de cire que je vais récupérer parce qu'il a l'air de bonne qualité. Et la couronne. Et ensuite on a ça. Comme dans toutes les couronnes, c'est la petite chaîne. Et vous pouvez ouvrir juste ici. Vous voyez, juste là. Tac. Pour entrer ça dans les trous qu'ils ont placés ici. Et ici. Donc moi je le ferai à la fin. Ça se pourrait que je la donne, cette couronne en fin d'année. Vous savez que bon, les projets, je les fais pour le plaisir de les faire. Et ensuite en fin d'année, je les donne. Ça peut faire plaisir à quelqu'un, mais moi je suis contente. Donc c'est que recto. Et franchement, elle est belle. Hein. Elle n'est pas abîmée. Il n'y a pas de. Ça c'est un diamant, mais c'est pas grave. Mais non, elle n'est pas abîmée. Et c'est bien fini là sur l'ando. Et là, donc, il y a les symboles. Déjà, il y a la... Ben, ouais, il y a la colle. Il faut enlever la fiche plastique. De temps en temps, c'est pas facile, vous voyez. Elle est toute, toute fine. Et je touche à peine. Oh oui, ça colle bien. Donc, les symboles qu'ils utilisent sur ce projet, on a des chiffres et on a des lettres. Donc, on va avoir des diamants spéciaux. Et de ce que je peux voir, ça a l'air très, très bien imprimé. C'est bien coupé autour, vous voyez. Ça ne va pas sur un symbole parce que de temps en temps, je trouve qu'il coupe le plexi un petit peu trop proche des symboles et c'est difficile de mettre les diamants. Mais là, franchement, l'impression, elle est nickel et la coupe, elle est belle. Ouais, il est très beau ce produit. Je suis très contente et je pense, si je ne me trompe pas, qu'ils ont des couronnes pour toutes les saisons de l'année. Dans le mot Spring, c'est que le symbole 1. Je pense que ça va être du strass. Oui, ça va être du strass transparent. Donc, au niveau des diamants, dans ce projet... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du strass et on a des... Wow! On a des diamants spéciaux. C'est magnifique, ça. Regardez ça. Ils sont beaux. Alors, on en a combien au total? 1, 2, 3, 4, 5... C'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on a 10 types de diamants différents dans ce projet. On a 1, 2, 3, 3 strass, c'est ça? 3 strass, 3 spéciaux. Et du coup, on devrait avoir 7 strass. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça, plus 7 strass. Donc, 3 spéciaux plus 7 strass. Après, je mesurerai la couronne pour vous donner les dimensions. Donc, on a ces gros diamants. En revanche, je vois qu'il y a beaucoup de poussière dessus, vous voyez. Ben, est-ce que c'est de la poussière ou est-ce que c'est l'intérieur du diamant qui est un petit peu bizarre? Je ne sais pas. Comme celui-là, par exemple, qui est juste là, là. Vous voyez celui-là? Le fini est bizarre. Alors, est-ce que c'est la surface qui est sale ou est-ce que c'est l'intérieur? Je ne sais pas. Ensuite, on a des yeux de chat transparents AB. Des espèces de grosses strass jaunes avec plein de facettes. Et on tombe dans les strass, donc on a du rose pâle, un autre rose pâle. C'est bizarre, vous le voyez presque corail à la caméra, mais moi à l'œil nu, je le vois rose. Ensuite, on a du bleu foncé, du bleu plus pâle, un espèce de kaki, du rouge et un strass transparent. Comme je l'ai dit, le strass transparent, c'est le mot spring.
Et au niveau de la taille, parce que c'est vrai que je ne voulais pas donner, au niveau du diamètre, c'est à peu près du 24,5. Voilà, c'est approximatif, mais au moins ça vous donne une bonne idée en fait du diamètre. Donc voilà, on a fini avec cette vidéo, c'est tout ce que je voulais vous montrer. C'est pas beaucoup, mais bon, ils nous donnent un budget, mais je pense que c'est ça, les boîtes de rangement, elles étaient certainement pas données. Donc c'est pour ça que j'ai pu prendre deux produits, mais je suis contente. Franchement, je suis contente de les avoir prises, les boîtes de rangement. Et j'espère, et je crois aussi en fait qu'ils ont différentes tailles. Différentes tailles en fait dans le sens où le, comment je dirais ça, comme la c'est pas une valisette, mais ça là en fait c'est plus petit et du coup il y a moins de boîtes. Donc regardez sur le site dans la section où ils mettent ce genre de produits, de toute manière, moi, je vous mettrai le lien vers ça. Mais regardez, parce qu'ils ont des systèmes plus petits. Je pense pas qu'ils aient des systèmes plus grands, à moins que je me trompe. Je pense que c'est le plus grand, ça, avec 52 boîtes. Mais ils en ont des plus petits. Donc, ouais. Je vous mettrai le lien de ça, le lien de ça. Et comme je vous ai dit, celui-là aussi, il y a toutes les saisons de l'année. Je risque de prendre les autres parce qu'ils me relancent à chaque fois. J'ai même pas besoin de leur envoyer le lien de la vidéo, que déjà ils m'ont envoyé un email en me disant oui, s'il vous plaît, choisissez de nouveaux produits. ils sont vraiment cool là. Ils me permettent en fait de choisir des DP à chaque fois que je poste une vidéo. Donc, mais vous savez, moi, ce genre de vidéo, c'est le dimanche. J'ai pas envie de polluer la chaîne avec que ce genre de vidéo. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas non plus hein, ce genre de produits, des sites à plus petit budget. Mais je sais que bon, il n'y a pas tout le monde qui a le budget non plus de s'acheter des toiles de Diamond Art Club ou des toiles de Dreamer Designs, tout ça. Donc c'est pour ça que j'essaie de varier un petit peu le contenu que j'ai sur la chaîne. Généralement le mardi, vous voyez les toiles que j'achète moi en fait. Le jeudi, c'est des vidéos différentes comme des organisations de diamants, tout ça. Et le dimanche... c'est ça, c'est des produits de sites à plus petit budget. Et généralement, c'est ça. Je les reçois gratuitement des compagnies qui me contactent. Et ce programme me convient parfaitement parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de polluer la chaîne avec que des vidéos comme ça. Là, c'est pas le but. Je veux de la variété. Donc, c'est ça. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Comme je vous l'ai dit, je vous mettrai le lien vers ce produit. Et ce produit en barre d'infos, j'espère qu'ils sont encore disponibles sur le site. N'oubliez pas de regarder aussi en barre d'infos s'il y a un petit code, parce que de temps en temps, ces compagnies nous en donnent pour vous à utiliser. Ce ne sont pas des codes d'affiliation, ce sont juste des petits codes qui nous ne nous rapportent rien. Mais regardez, c'est toujours là si vous souhaitez commander. Et voilà, donc j'espère que ce petit unboxing vous a plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Bye bye.